Salut à tous. On est à Urban Corp et on va faire un cache-cache géant de nuit. On vous explique tout de suite les règles du jeu. Let's go. Les règles du jeu sont simples. Il y a un chat, 4 souris. Les souris ont 1 minute pour se cacher et le chat a 3 minutes pour trouver les souris. Les souris doivent rejoindre une base et allumer une lumière qui va sonner la fin du jeu. À savoir que c'est une partie de cache-cache géante. La salle est plongée dans le noir et il y a juste une seule lumière, c'est la frontale qu'a le chat sur la tête pour pouvoir trouver tout le monde. On va partir pour la première partie. Dans quelques secondes. Putain, je suis trop excité. Vous êtes parti, vous allez avoir 1 minute pour vous cacher dans 3, 2, 1, top là ! Allez, c'est parti. Là, ils ont 1 minute pour se cacher. Je les entends déjà, ça se bat dans tous les sens. Je suis le premier chat, je vais essayer de trouver les 4 souris, voilà, en les identifiant. Donc il y a Mélanie, Léo, Ben et Loïc. Je me demande bien s'ils vont être créatifs au niveau des cachettes ou pas. Bon, je vais essayer de pas perdre sur la première manche. Ils doivent récupérer la lumière qui est à la base que je dois défendre. Mais bon, je vais essayer de prendre un petit peu de risque et de m'éloigner de la base. Sinon, ça va pas être drôle. Allez, ils ont encore 10 secondes. Je vais me préparer. J'allume la GoPro. J'allume ma frontale. Et on est parti. Let's go. Ça fait 1 minute. J'adore quand je dis ça. Putain, ça m'excite. Je vais essayer de trouver les planques dans lesquelles je me serais planqué moi-même. Déjà, il y a ces pneus. Là, je suis sûr qu'à un moment donné, il y en a un qui va tenter ça. Alors, faut pas que je traîne parce qu'il y a 3 minutes pour que je les trouve. Là, c'est la relique qu'il faut qu'ils aillent chercher. S'ils la trouvent, s'ils la prennent, c'est victoire pour eux. Et si je mets un gros front kick comme ça dans le tapis, là, ça donne quoi? Léonard. Comment je t'ai spoté? Y a vraiment. Alors lui il joue pas, je sais pas qui c'est, le mec creepy. J'ai trouvé le mec creepy. Les gars, j'ai un point bonus pour le mec creepy. J'entends du bruit. Putain, des cons, ils sont bien cachés. Je retourne un peu sur ma zone. Oh, c'est Loïc. Allez, je te la donne. Vas-y, je vais chercher d'autres. Je vais chercher les autres. Y a Loïc qui a réussi. Faut que vous alliez le retrouver. Ah, c'est sûr, il y en a un deuxième, c'est sûr, il y en a un deuxième qui est arrivé. J'ai entendu des bruits de pas. C'est Ben. Mel toujours, allez, Mel, vas-y, je vais la choper, c'est la dernière qui est en course, là. Coucou, mon amour. Elle est là-bas, Mel. C'est pas que ça fait 5 minutes que je suis là. Arrête de mytho. Donc Loïc... Tu gagnes le droit d'être chat, bon. Et je gagne le droit d'être souris. Donc Loïc a marqué un point. Tu m'as jamais vu? Non, je t'ai pas vu là, putain, t'as fait quoi? Mais tu t'es faufilé en plus, Eh, mais tu t'es faufilé, c'est abusé. Toi, pantalon clair. Je suis la comme la viande. Comme la viande, tu t'es faufilé. Ça y est, c'est bon? Allez, attention, j'envoie le chrono. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, top, c'est parti. Vous avez 1 minute. Je ferme. Je suis quand même... le concepteur de la salle, j'ai quelques petites idées de où est-ce qu'on va pouvoir les trouver. Ça va être flippant. On va y aller, 30 secondes. On décompresse. Je pense que le plus dur à attraper, ça va être Mel. Parce que Mel, elle est discrète, elle est en tenue noire. Elle va pouvoir se faufiler, tranquillou. Souhaitez-moi bonne chance, on y va, c'est parti. J'arrive. Les petits lapins, je vais vous manger. Ouh, je sens que ça tremble. Je sens que ça tremble. Il y en a pas un. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais vous avoir, je vais vous avoir. Ah, oh, qu'est-ce que c'est? Il y a un mec bizarre, on le connaît pas celui-là. Il y a un mec chelou qui est rentré, je sais pas comment. Le mec n'avait pas de maison. Oh, ça bouge, j'entends que ça bouge. Hop, 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 j'en ai deux. Ben, Léo, il me reste Mel et Charles. Là, 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 Mel, vu là-bas au fond, Mel. Il me reste Charles. Il m'en reste plus qu'un. Je pars en expé. Wapa ! Là-haut, je t'ai vu. Il est au pied de la créature. Là ! Ouais. Ouh, c'est bon ça. Ah,
c'est trop bien. Putain, y'a un mec chelou, hein. Il joue de la guitare en plus. Les souris sont-elles prêtes ? Je vais essayer de les retrouver, je pense que je vois à peu près comment ils ont fait pour se cacher, même si c'est toujours moi qui me fais trouver en premier. Il faut que je fasse des gauche-droite. Je les entends rire en plus, ces enfoirés. Elle est où, Mel ? Mel ? T'es encore en train de tricher ? Non. Ils ont mis des grands murs partout, ça va être compliqué. Bon. J'arrive ! Parfait. Et donc, ce qu'ils doivent toujours récupérer, c'est cette lumière ici. Et c'est ça ! Je vois, Loïc ! Loïc directement sur le changement de direction. Ah, je vois une tête. Attention, je vais essayer de me rapprocher doucement. Faut pas que je me fasse avoir sur les côtés. Je suis sûr que c'est un piège. Et si je reviens derrière et je vois Ben qui court. Et oui, ma technique pour l'instant elle fonctionne bien. Tu entends un bruit? Je suis concerné, je vais faire ma linéarité comme je disais. Tac tac tac, j'ai vu une tête juste ici. Ah putain. Et Charles! Victoire de Mélanie! Viens voir comment j'étais! T'as la nouvelle cachette! En fait, regarde, tiens, mais ça! T'es le cadreur, j'étais ouais. Comme As! Et je suis restée pendant une minute le temps du jeu comme ça! Pour être dans la doublure du matelas, elle était cachée! Bon, et après, ça, nous, coup, on peut pas faire! Et après, hop, hop, hop! Tu vois? Putain, ce gremlin, s'y passe partout! Bon, les gars, vous êtes ready? Ready! 3, 2, 1. Top! Y'a plein de monsieur Tony! Y'a plein de monsieur! Alors, je suis enfin stratège, ok? Moi je pense que je vais retenter ici, de faire le tour au moment où elle va passer. Ça c'est bien ça, ouais. Cette fois je ne vais pas tricher, je ne tricherai pas dans cette vidéo, vous m'en êtes témoin. Ils ont dû voir un petit peu où est-ce que je me cachais, je pense qu'ils vont essayer de tester des trucs, et je pense qu'ils vont surtout essayer de me faire très peur. Vu que moi, je hurle toujours pour rien, je sens que vraiment ça va partir. Très très vite. Je stresse déjà, mais j'ai tellement envie de gagner. Je crois que vous vous rendez pas compte. Faire le tour, putain, on va tous se retrouver ici. C'est dans pas longtemps, les gars. C'est dans pas longtemps. Mais franchement, les gars, faites ça. Non, mais faites ça. Parce qu'elle va pas tarder du tout là. Deux, un. Ok, let's go. Je sais qu'il y en a qui vont me faire peur et que je vais pousser des hurlements. Ah, m'arrêtez. J'en ai vu un là, Ben. Je t'ai vu, Ben. Loïc. Ah non, Léo. J'ai dit tous les noms. Loïc. Je t'ai vu, Ben. Je t'ai vu. Ah mais putain non, c'était pas Ben. Ah putain, attends, j'en ai vu un, je sais pas lequel c'est. Charles, je t'ai vu. Charles. Mais je t'avais dit que je t'avais vu. C'est là ma réputation est en jeu. Ben. Ah non. Ben, je t'ai vu. Non, j'en ai. Je t'ai vu courir. Non, je t'ai vu dans ma vision périphérique. J'ai vu un mec torse nu courir et vous êtes tous mis torse nu en plus. Mais non, mais vu que je savais qu'ils n'avaient pas bougé. Ben, je te vois, Léo, je te vois, mais je te vois, Léo. Je sais pas du tout. On fait la signalisation. C'est ouf. Oh, le seul chat qui n'a pas été, c'est Benito. Est-ce que vous avez tous remarqué que plus les épisodes passent, plus il y a d'hommes tout nus? Après. Allez, tout le monde va se cacher, je lance la minute. Ferme la porte. On lance la minute. C'est à moi. La la la. C'est vraiment trop marrant. Comme un micro. Ouais, ça. Eh les gars, il nous reste plus sinon, que 40 secondes. Sinon, ouais, voilà, vous avez que 40 secondes. Il nous reste 40 secondes. Ah, vite votre cachet. Moi, ce que je vais faire, ils vont pas s'y attendre. Je vais partir en hauteur. Et là, clac. Je vais voir tout le monde, comme ça. Ils auront aucune chance. Ah, ça fait une minute. J'arrive! Où êtes-vous, bande de petits chenapins?
Ah, ça fait peur le silence, hein? Personne bouge là, hein? Ils sont bien cachés, hein? Salut Charles! Comment tu vas? Non! Loïc! Non! Le coup de l'aide de Loïc! Ah! La puissance suprême! Mélanie! Tu dors? Tu fais une sieste? Elle fait la sieste, Mélanie? Il est chiant. Léo! Léo! Vu! Léo! Oh! Je suis trop nul en chat, je suis trop nul! Venez voir l'endroit, venez voir l'endroit. Ah oui, montre-nous où tu t'es caché là. Regardez l'endroit de Loïc, c'était magnifique. Tu vois, là, derrière cette cible, j'étais caché là. Putain, j'ai pas vu quoi. Moi j'étais en boule là, comme ça. Moi j'étais comme ça. Comme ça, il m'a vu. No way. Il a pas vu Loïc. Ok les gars, donc on modifie un petit peu les règles du jeu. On va faire un combat entre Mel et moi, on va faire deux manches encore. Donc je commence en tant que chat et je vais devoir trouver les 4 souris le plus rapidement possible. Mel à son tour va enchaîner sur une manche où elle sera chat et elle devra trouver les 4 souris le plus rapidement possible. Et celui qui aura trouvé les 4 souris dans un temps record remportera la partie. Let's go, on y va. Top, c'est parti, top à la vachette. Donc là, ils ont une minute pour se cacher et je vais devoir trouver les 5 souris le plus rapidement possible. Je dis 5, c'est plus 4 parce qu'il y a le creepy man qui est caché dans la salle et qui compte aussi cette fois-ci. Et t'as 2 minutes pour les trouver. 3, 2, 1, allez top. Coucou, j'arrive, j'ai pas le temps de faire bonjour, allez au revoir. Ah mais du coup, ça veut dire que vu qu'il n'y a plus la zone... Il y a plus la zone de là-bas, là, ils s'en foutent, ils vont tous être cachés dans un coin au fond. Ah, ils sont bien cachés les cons. Ben, t'es là. Ok, bien joué, très, très bonne cachette, très bonne cachette. Ah ah, je t'ai trouvé, Manu, le creepy man, il est trouvé, il était dans la fosse à cul. Ils sont où ces cons? Putain, ils sont où ces cons? Paco, Paco. Il est dans la fosse. C'est terminé. Attends. On voit maintenant combien de temps je vais avoir pour les trouver. Bon, j'ai pas exploité les hauteurs. Ils sont où ces connards? Ils sont bien cachés, hein. Je cherche partout dans les pneus. Et Mel, elle est introuvable. Mais ils sont enterrés sous la fosse à cube. Ça veut dire qu'il faut que je marche partout, là? Vous allez voir, là. À vouloir m'entuber, à vous cacher dans la fosse à cube, là. Regarde cette tête dans... Un cube différent des autres, là, Léo. Ouais, Loïc, je sais pas où il est, hein. Moi, je sais où il est. Je sais où il est, là. Sérieux, ils sont trop bien cachés. Là, tu chantes. T'as l'air que tu chantes, t'es dans la peur. Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est beau, ça. J'applaudis à deux bras. Il aurait dû marcher sur toi, t'aurais dû dire aïe ou un truc comme ça. Ouch. Mais attends, mais c'est Mel. C'est Mel qui gagne, là. Attends, elle est où? Les gars, donnez-moi des indices chaud-froid, ok? Mais j'en ai aucune idée. Tu chauffes. Elle est pas là? Comment trouver Mel? Aïe! Là, tu refroidis! Charles! Il a perdu sa femme, le mec! C'est ouf! Mélanie! Elle est derrière là-dedans! Oh! Une petite queue de cheval, regardez-moi ça, ça t'a trahi, tu vois, si t'étais chauve, eh ben t'aurais gagné le cache-cache. Bah j'ai gagné. Attends, en plus tu m'as mis un coup et genre j'ai eu tellement envie de rire. Ouais. Le mec s'est permis de puncher sa femme en toute discrétion, tu vois, voilà. T'as 25 minutes à battre. 25 minutes? Non mais il a plus de 7 minutes. Ok, à toi.
Je suis en train de l'équiper, regarde, on dirait un cosmonaute le truc. C'est parti pour une minute. J'espère que je vais gagner. Il faut pas que je dépasse les 9 minutes, il faut que je trouve en moins de 7. On espère tous que tu vas gagner. J'arrive! Attends, mais elle est pas allumée ma lumière. J'ai mis un chrono de 20 minutes pour Mélanie, comme ça elle a le temps. Je suis toujours le premier, c'est nul! C'est nul! Je m'en vais. J'ai l'impression que c'est Pac. Manu, je t'ai trouvé. Aïe, pardon. Je t'ai trouvé, non, Charles. Tu m'as pas trouvé. Il y a Charles. Non, tu m'as pas trouvé. J'ai trouvé c'est Charles. Pas c'est pas moi. Si, Charles. Bah, du coup, ça veut dire que j'ai gagné? Non. Y'a quelqu'un en dessous? Y'a quelqu'un dedans? Pas dedans. Mélanie elle cherche Léonard. Léonard est juste là. Elle a des passages secrets. Bah oui. Ça va, j'ai un peu plus d'indices. Peut-être pas. Loïc, je t'ai trouvé, t'es tout en haut, t'es couché. Elle a gagné la manche bonus. J'ai gagné et sans tricher. Charles Poujade n'assume pas de perdre, c'est un mauvais perdant. Non, je suis un compétiteur, c'est pas pareil. Et je t'ai aidé, je suis un bon compétiteur. Je fais faire, je joue flair. Déjà... Fair play. T'as gagné, mais t'as quand même perdu pas mal de fois, hein, tout à l'heure. Non. Bah si. Non, mais ça sera coupé, ça sera coupé. Et c'est une fin de tournage, il est 1h du matin, c'est bon, on a bien exploité toute la salle, toutes les cachettes, on les a trouvées. Enfin non, je pense qu'il en reste encore pas mal. Et non, moi je suis sûre que j'en aurai encore trouvé d'autres. On peut voir que je suis la reine incontestée du cache-cache, je suis la meilleure pour me cacher, rester cachée et trouver les autres. La reine incontestée. Bon en tout cas les gars, on a surkiffé, enfin moi en tout cas j'ai super kiffé. Je pense que tout le monde aussi, toute l'équipe a kiffé. Merci à tous les participants et surtout merci à Loïc qui nous a confié sa salle. Voilà, il était avec nous mais bon il a bien représenté. Hein. Je pense que là il a trouvé les meilleurs planques aussi. Hein. Donc bon, on sent qu'il est chez lui. On vous met toutes les infos de la salle Urban Corp dans la description. En attendant, j'espère que vous avez kiffé. Mettez des commentaires si vous voulez une deuxième édition dans une autre salle. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé. Et abonnez-vous. Ciao.